Manchester United est une mafia dans laquelle un jeune homme perturbé est surprotégé par des espèces de barons surinfluents. Le jeune homme, bien évidemment, c'est Marcus Rashford. Et on va voir dans cette vidéo qui sont ces grands protecteurs surpuissants. De ton côté, n'hésite pas à t'exprimer, partage ton avis en commentaire. Un petit générique et on part sur la vidéo. Salut les Mancuniens, j'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler du cas Marcus Rashford, puisque c'est la nouvelle polémique du moment. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. On va commencer par un très très rapide retour sur les derniers faits, le contexte actuel. Pour ceux qui seraient passés à côté, Marcus Rashford a séché un entraînement vendredi dernier avec le groupe de Manchester United. Il a prétendu une maladie pour justifier son absence à l'entraînement, sauf qu'il a été repéré à Belfast dans une boîte de nuit jeudi soir, donc la veille de l'entraînement, ce qui expliquait en réalité son absence. Et on rappelle que Manchester United avait un quatrième tour de FA Cup à disputer dimanche dernier à Newport County, rencontre que Marcus Rashford a bien évidemment loupé puisqu'il était soi-disant malade. Tout ça a été entouré forcément d'une polémique, d'une grande intervention médiatique, populaire autour de son cas. Sachant qu'il faut bien le rappeler ici, c'est pas la première fois que Marcus Rashford se retrouve dans l'œil du cyclone d'un point de vue médiatique, puisqu'il était déjà sorti en boîte après une défaite 3-0 à domicile de cette saison contre Manchester City. La saison dernière, déjà, il avait été mis sur le banc de touche au début de la rencontre face à Wolverhampton suite à un retard par Erik ten Hag. Cette saison, il avait déjà loupé une rencontre face à Fulham, vous en rappelez, en déplacement à Londres, pour cause de maladie soi-disant déclarée la veille du match. Et si on veut encore plus restituer le contexte, tous ces écarts de conduite s'inscrivent dans une saison dans laquelle Marcus Rashford témoigne une indifférence par rapport au jeu et généralement un désintérêt total pour Manchester United. Les suites connues à ce jour par rapport à cette affaire, c'est que Rashford est retourné à Carrington s'entraîner lundi avec son frère et agent. Donc généralement, quand tu te déplaces au centre d'entraînement avec ton agent, c'est vraiment signe que tu t'apprêtes soit à avoir une discussion très sérieuse par rapport à un éventuel move, soit que tu t'attends éventuellement à vraiment te faire remonter sacrément les bretelles et discuter très 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 sérieusement avec le coach et également l'entourage. Il y a eu une réunion qui s'en est suivie avec Erik ten Hag, le coach, et également une certaine partie de la direction de Manchester United. La décision qui a été prise apparemment par le club, c'est de lui infliger une amende de 650 000 livres, ce qui correspond à peu près à, grosso modo, seulement deux semaines de salaire pour lui. D'un point de vue disciplinaire, c'est tout ce qu'il y a à signaler à ce jour. Faible. Sachant qu'une mise à l'écart du groupe pour l'instant n'est pas du tout annoncée et il est même annoncé par le club que Rashford sera disponible, ou en tout cas éligible, à disputer le match face à Wolverhampton jeudi soir. What? Alors on discutera en fin de vidéo de savoir si cette sanction, cette mesure est suffisante ou pas au vu des faits. Dans un premier temps, on va tout simplement revoir en quoi les actes de Marcus Rashford sont graves. Tout d'abord par rapport à l'acte en lui-même. Marcus Rashford a quand même menti au staff de Manchester United, à ses coéquipiers, à l'institution de Manchester United par rapport à la raison de son absence à l'entraînement vendredi. Ce qui est quand même énorme et ce qui montre une rupture de confiance gigantesque entre le joueur et également son entourage. Il a indiqué être malade alors que finalement, par rapport à ce qui a fuité dans les médias, on s'est rendu compte que finalement il était simplement en boîte de nuit la veille, qu'apparemment il a bu beaucoup d'après certaines informations et que grosso modo il était simplement en pleine gueule de bois. Vis-à-vis ensuite du club, pourquoi c'est grave? Sachant que Marcus Rashford, il a prolongé à Manchester United l'été dernier pour une coquette somme de 350 000 livres par semaine. Un salaire pareil et un contrat pareil, c'est le témoignage que le club mise sur Rashford pour devenir grosso modo l'égérie de son nouveau projet, l'homme par lequel la solution doit passer. Donc en fait, quand il sèche en entraînement et qu'il se rend lui-même indisponible pour un match de Coupe d'Angleterre, il donne totalement tort au club finalement d'avoir misé autant sur lui et d'en avoir fait vraiment ce joueur franchise player, ce joueur vitrine. En plus, là où c'est encore plus problématique, on sait que United est vraiment dans la tourmente cette saison, d'un point de vue médiatique, c'est très très négatif, c'est très noir tout ce qu'il y a autour de Manchester United. Avec cette nouvelle polémique, finalement, Rashford entretient cette atmosphère nocive autour du club. Ça n'aide vraiment pas ses partenaires, ça n'aide vraiment pas l'équipe à évoluer et se préparer dans les meilleures conditions pour les prochaines échéances, également tenter d'atteindre ses objectifs, et également vis-à-vis du groupe. Vis-à-vis de ses coéquipiers, c'est une trahison gigantesque que fait Rashford. Finalement, il ne respecte pas l'effort collectif qui est nécessaire pour atteindre un objectif commun. Sachant que le foot, c'est de plus en plus concurrentiel, tu sais que les équipes qui tournent le mieux, que ce soit les Liverpool, les Arsenal, les Manchester City, la discipline est de rigueur là-bas et chacun est investi à 400%.
À partir du moment où tu as une personne qui triche dans le vestiaire, soit ça donnera le mauvais exemple aux autres, soit tu vas créer une rupture entre le groupe et toi, sachant que le club a misé sur toi pour vraiment leader les autres. Donc ça ne va pas. Et tout ça, ça nous conduit à faire des déductions finalement par rapport à la mentalité du joueur. Ce que ça veut dire déjà, c'est que c'est pas un professionnel. Le professionnalisme va avec une certaine rigueur, une discipline à l'entraînement, en même temps une inscription dans le collectif, le respect de certaines règles communes. Marcus Rashford, on voit que depuis la saison dernière, grosso modo, c'est pas ça du tout. Il se prend pour une très très grosse star, alors que finalement, pour être une star d'un point de vue footballistique, il faut aussi avoir le comportement qui va avec. Tu ne seras pas performant sur le terrain si finalement tu sors tout le temps, tu bois d'alcool la veille d'un entraînement, tu sèches les entraînements parce que t'es pas là. Et d'ailleurs, certaines personnes lui cherchent des excuses en disant que il cherche qui il est pas vraiment qui il est en autodestruction. On bat les couilles. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est justement la traduction d'une personnalité non professionnelle, non disciplinée. On a tous des problèmes chez nous. On a tous des choses qui nous tracassent. Moi, je suis pas bien là. C'est pas le seul joueur de Manchester United qui, parfois, a des coups de moins bien moraux. Être professionnel, c'est mettre tout ça, finalement, dans un casier à la maison. Quand tu pars t'entraîner, quand tu pars au boulot, parce qu'on rappelle que c'est un boulot, et finalement, tu fais ton job. Tu fais ton job et les aspects perso, les aspects psychologiques, normalement, ça n'a pas à interférer à ce point. Ça peut interférer un petit peu, mais pas à ce point avec l'attitude d'un joueur. À qui, je le rappelle, on peut pardonner des méformes, un manque de statistiques éventuellement sur le terrain. Mais en réalité, ce qu'on peut pas pardonner en tant que supporter, en tant qu'observateur du foot, c'est justement ce manque d'investissement. Présentez-vous qui je suis. Globalement, ce désintérêt, ce détachement vis-à-vis du monde du football. Et d'ailleurs, j'étais en train de vous expliquer pourquoi je pense que Marcus Rashford n'est pas un professionnel, en tout cas d'un point de vue de son état psychique. C'est aussi que je pense qu'il se pense inscrit dans une structure non professionnelle. Cette attitude qu'a Rashford, c'est exactement l'attitude qu'on peut trouver dans certains clubs amateurs. Si on analyse les faits, le mec se permet de ne pas faire le même effort que les autres, de ne pas venir à l'entraînement en se disant « je vais de toute façon jouer ». C'est parce que c'est ça ce qu'il se dit Marcus Rashford. Dans sa tête, c'est un top player qui va de toute façon être titulaire à Manchester United. Puisque de toute façon, depuis le début de saison, c'est un petit peu ce qui se passe. Il s'investit pas du tout au service du collectif. Malgré tout, il enchaîne les matchs et malgré tout, il a beaucoup de titularisation cette saison. Donc je pense que de ce point de vue-là, il se pense revenu dans une espèce d'équipe de jeunes ou alors une équipe pas professionnelle où la petite star, le mec qui en termes de talent est au-dessus du reste, peut se permettre de pas venir à l'entraînement, de pas faire les mêmes efforts à l'entraînement que les autres et finalement être sélectionné le week-end parce que finalement le coach il regarde les options qu'il a à côté de ça et il se dit oui effectivement c'est mon meilleur joueur. Et vous regardez, pour ceux qui ont évolué au niveau amateur, c'est ce qui se passe dans pas mal de clubs. T'as justement l'espèce de surdoué entre guillemets à son échelon qui peut se permettre n'importe quoi et qui dans tous les cas aura ce traitement de faveur. A fortiori justement cet épisode là ce que ça manifeste sur la personnalité de Rashford, sa mentalité, c'est qu'il n'a pas de considération pour Manchester United. Manchester United, c'est une entreprise. Elle a des objectifs. Si toi, tu es un des employés les plus importants, l'homme clé, entre guillemets, de la boîte, et que tu espères que l'objectif va être atteint, tu ne te comportes pas comme ça. Et de la même façon, le fait de mentir au staff, c'est un manque de considération et de respect par rapport au staff qui, lui, fait l'effort de se lever tôt, de prévoir des programmes pour l'entraînement, enfin de mettre les choses en place pour que tout se passe bien, finalement, au moment de jouer le match le week-end. Un manque de respect également par rapport à ses coéquipiers qui, eux, font les efforts d'être présents à l'entraînement, de s'investir, de courir, le week-end sur le terrain, se donner à 400%, de se coucher de bonne heure, de se lever tôt, d'avoir une hygiène de vie. Donc, tout ça n'est pas respecté. Et en plus de ça, à fortiori, ce qu'on oublie généralement, c'est certains vont se dire « Oui, mais finalement, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il est jeune, il a 26 ans. Quand on a cet âge-là, on veut profiter de la vie, sortir une fois de temps en temps. Bon, ça arrive, le lendemain, t'es pas bien, tu viens pas au travail. » Mais non. Ça, c'est éventuellement les joueurs, déjà, ils ont un niveau de rémunération et ils ont aussi un niveau de responsabilité par rapport à un nombre de personnes qui suivent le club et qui achètent des maillots et qui viennent au stade, qui payent je sais pas combien de choses, qui font que c'est grâce finalement au petit peuple, entre guillemets, que Rashford, il a ce salaire-là. Ces joueurs professionnels-là, ils ont l'été, un mois et demi, pour faire ce genre de choses-là. Tu les vois, ils vont tous à Mykonos, les Anglais, hein. Ils font la fiesta, pas de souci, t'es sur tes vacances, tu dois de compte à personne. Mais quand tu n'es pas en vacances, tu dois des comptes à tout le monde, à l'organisation, au staff, à tes coéquipiers, à toi-même si tu as de l'ambition, et également à tous ceux qui font que tu peux avoir ce niveau de vie-là. Aujourd'hui, c'est pas respecté.
Et pourquoi aujourd'hui, Rashford, il peut se permettre de ne pas respecter toutes ces règles-là? C'est aussi parce qu'il est surprotégé. He is in a hole of a changing room right now. J'en parlais en introduction, les amis. Je vous parlais d'espèces de barons. Alors, c'est pas des barons de la drogue, mais c'est des barons des médias qui surprotègent Rashford et qui font que, finalement, quand il fait des actions pareilles et qu'il manque de respect à tout le monde, il rompt la discipline qui devrait régner dans un Manchester United. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a pas peur des conséquences. De manière générale, les joueurs sont énormément pressurisés par la pression médiatique. Ce qu'on va dire d'eux, dans les médias, ce que les gens vont penser d'eux. Un joueur, finalement, quand il rentre sur le terrain, il a peur de faire un mauvais match ou il a peur s'il sait que dès qu'il va faire quelque chose de mal, il va directement en subir des conséquences, il va se faire siffler, il va se faire huer. Marcus Rashford, ça fait bientôt 9 ans qu'il est au club. Pourtant, il y a très très peu de grosses saisons références avec un gros titre à la clé. Il n'y en a quasiment pas. Et d'ailleurs, les titres, si vous prenez par exemple l'Europa League de 2017, Rashford, c'est pas un acteur majeur de ce trophée. Et pourtant, t'as quand même une grande partie du public, ça commence à changer, mais t'as une grande partie du public qui le suit, qui le respecte, qui l'encourage, etc. Alors que lui, de manière ostensible, il ne fait pas les efforts, il ne s'investit pas. Pourquoi? Parce que tu as ces mecs qui gravitent autour du club et qui sont extrêmement influents sur l'avis public par rapport aux joueurs, qui vont le surprotéger, qui vont se passer de faire des commentaires négatifs quand il faut en faire. Regardez par exemple cette affaire-là, c'est la même que l'affaire que ce qu'on pourrait redire sur Rashford depuis le début de la saison. Tous ceux que t'entends d'habitude sur Manchester United, les premiers à prendre la parole et tout de suite à faire peser une ambiance délétère autour du club, parce que ça c'est pareil. On parle aussi de toxicité autour de Manchester United. Et ça, je ramène à la vidéo qu'on avait fait avec Phenomeno sur le sujet. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond à Manchester United? Mais c'est aussi justement tous ces mecs-là, les pundits comme on dit, les anciens des clubs qui finalement ne sont pas réglo. Ils n'ont pas le bien du club dans leur esprit. C'est pas possible. Puisque je vois pas comment, dans une situation pareille, tu as un Roy Keane qui n'a pas pris la parole. Tu as un Nicky Butt qui continue à surprotéger Marcus Rashford. Tu as des anciens du club, comme Scholesy, qui préfèrent faire la taupe, ne rien dire sur Rashford, depuis le début de la saison. Et alors, ça va taper sur le Bruno. Bruno, faut voir ce qu'il mange au niveau des médias, alors que le mec s'investit à 400% depuis qu'il a Manchester United. Tout n'est pas parfait. Dès qu'il y a un match, etc., les premiers critiques, c'est « Oh, Bruno is all over the place ». Mais évidemment qu'il est all over the place, mec. Parce que si lui fait pas les efforts, personne va les faire, en fait. Il essaie juste de montrer l'exemple sur le terrain. Et par contre, sous ces mecs-là, les Scholes, Keane, Nicky Butt, Gary Neville de temps en temps, ils vont tous aller taper sur les mêmes. Ils vont tous aller taper sur Bruno, ils vont tous aller taper sur Martial, ils vont tous aller taper sur Anthony, tous les mecs qui sont pas anglais. Et ça nous rappelle à une espèce de xénophobie qu'il y a en première ligue, qui est patente. Pourquoi Marcus Rashford est aussi protégé par ces mecs-là? C'est parce qu'il est de 1 anglais, de 2 mancunien. Il serait pas mancunien, Marcus Rashford, déjà, il aurait un traitement de faveur moins particulier. Et en plus de ça, il serait pas anglais. Je vous raconte même pas comment il serait plus au club depuis longtemps. Le mec fait le yo-yo en termes de performance en 9 ans au club, plus souvent très moyen que vraiment bon. Mais il est toujours là, il a toujours un espèce de statut de star local. Alors qu'en réalité, Marcus Rashford, c'est personne. À l'échelon du foot international, Marcus Rashford, en termes de performance, en termes de niveau, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Et à l'échelon local, on est là à le propulser sur un piédestal, à en faire une gigastar locale, alors que, purée, il a quasiment rien fait, le gars. Il y a quelques saisons avec des fulgurances, il y a quelques saisons avec quelques buts, mais déjà, il y a toujours même pas une saison à 20 buts en première ligue. Alors que la saison dernière, je vous rappelle quand même, il était numéro 9 à Manchester United. Alors oui, il a mis quelques buts, c'était sympa, mais c'est inconstant. C'est toujours inconstant. Mais dans la tête de ces gars-là, les pundits, les anciens du club, ça reste un mec qu'il faut protéger coûte que coûte. Et ils diront pas les termes. Rio Ferdinand, c'est pareil. Il dira pas vraiment les termes. Rio Ferdinand, je vous prends l'exemple, quand il y a eu l'affaire avec Sancho, quelle a été sa réaction? Sachant que l'affaire Sancho, c'est une défiance absolue de l'autorité du coach. Rio Ferdinand l'aurait jamais fait de l'époque de Sir Alex Ferguson, par exemple. Quelle a été la réaction de Rio Ferdinand? C'est dire... ouais, non, je connais Sancho, il dit jamais rien d'habitude, s'il dit quelque chose là, ça veut dire que il se passe quelque chose. Quel culot. Mais peu importe qu'il se passe quelque chose, mec. Le coach, c'est le boss. Donc en fait, c'est lui qui prend une décision par rapport à ce qu'il voit la semaine à l'entraînement. Et encore une fois, c'est très très léger ce qu'a dit Rio Ferdinand cette semaine par rapport à Rashford. Et prenez par exemple Alan Shearer, qui n'est pas un ancien du club. Regardez un petit peu ce qui sort comme dinguerie. Alan Shearer, qu'est-ce qu'il a dit sur le cas Marcus Rashford? Il dit, oui, Rashford, grosso modo, il est perdu. Il n'est pas dans un bon environnement. Il a besoin d'un coach qui soit dur avec lui et qui lui dise qu'il va regretter plus tard ses actes.
Il a besoin de ça, Marcus Rashford, parce que Marcus Rashford, c'est un petit enfant, mais apparemment, tout le monde oublie qu'il a 26 ans, le gars. C'est un petit bébé qu'il faut protéger, il faut lui dire, et au fait, là, tu fais de la merde, tu sais que normalement, tu dois venir à l'entraînement, et tu sais que normalement, tu dois pas te coucher à 6h du mat la veille, après avoir bu je sais pas combien de tequila. Mais non, ça, c'est la faute du coach, apparemment, parce que le coach lui dit pas assez. Je vous rappelle quand même que Rashford, il a été coaché par Mourinho. Sous Mourinho, ça s'est pas bien passé, il a été benché beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, il avait pas l'attitude d'un joueur professionnel et ambitieux. Sous Rangnick, pareil. Sous Ole, il avait fait une grosse réflexion sur Rashford. Avant de s'excuser publiquement. Parce que tous ces mecs-là protègent. Et tous ces mecs-là ont un pouvoir énorme autour de Manchester United. Et au sein de Manchester United. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Rashford, bah, c'est un petit caïd qui, de toute façon, fait ce qu'il veut. Et il pense qu'il pourra faire ce qu'il veut. Parce que ces mecs-là diront jamais rien de négatif sur lui. Jamais. Et par rapport à ça, ce qui est très révélateur, c'est, je parlais tout à l'heure de Nicky Butt. Nicky Butt, un ancien du club, qui a encore un pied dans Manchester United. Qu'est-ce qu'il a dit sur Marcus Rashford? Il a encore rappelé que, Marcus Rashford, c'est un gamin qu'il connaît depuis qu'il a 8 ans, qui est au club depuis très longtemps, et que grosso modo, il le protégerait coûte que coûte. Et il arrive à dire encore que Rashford, il est dans un vestiaire pourri, c'est compliqué, contexte de merde, etc. Mais il ramène pas aussi le blâme sur le joueur. Il ramène le blâme sur le contexte, sur le groupe, se disant il n'est pas assez aidé. Et tu sais que ces mecs-là, parce que Rashford est à Manchester United depuis très longtemps, parce que Marcus Rashford est mancunien, bah, ils vont lui faire la part belle. Mais c'est pas ça dont le club a besoin. Tout ce qu'ils veulent, c'est que cette espèce de mafia mancunienne, cette espèce de mafia anglaise persiste. Maintenant, je vous ai annoncé que la décision disciplinaire prise par Manchester United, c'était une amende de 650 000 euros. Je sais même pas si c'est confirmé ça. Il n'y a pas d'autre sanction que ça, apparemment. Alors, est-ce que cette sanction-là, c'est révélateur aussi d'une protection du club en plus de ses pundits? Est-ce que c'est suffisant, cette sanction, par rapport à ce qu'il a fait? On peut en discuter, je vous laisse vous me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sachant que le match de dimanche face à Newport County, il l'a pas raté Rashford parce qu'il a été suspendu par le club, il l'a raté parce qu'il était officiellement malade. Est-ce que le fait d'annoncer que Rashford sera disponible pour le match de jeudi contre Wolverhampton, est-ce que le fait de le laisser s'entraîner normalement avec le groupe, c'est la chose à faire? Et apparemment, ce qui a été dit aussi par rapport à ça, je précise, c'est que Marcus Rashford a officiellement assumé ses responsabilités vis-à-vis de ce qu'il a fait. Je ne sais pas pour l'instant ce qui, en quoi il a fait qui témoigne autant du fait d'assumer ses responsabilités. On le verra peut-être prochainement. Peut-être qu'il y aura une, je sais pas, une excuse publique qu'on recevra de Marcus Rashford. Dans tous les cas, moi perso, je la recevrai pas. Toute l'accumulation des choses par rapport à Marcus Rashford cette saison. Là, la solution prise par le club, c'est une solution immédiate. C'est une solution, on va dire, pour gérer la crise, limiter au maximum les dégâts vis-à-vis du groupe aussi, vis-à-vis aussi des objectifs à atteindre pour Manchester United. Parce que pourquoi on est obligé de protéger Marcus Rashford à l'échelle du club? Mais parce que ça reste un très gros talent. Et je rappelle aussi, je renvoie à la vidéo qu'on avait faite avec Baptiste sur le sujet où on avait dit Marcus Rashford est-il finalement intouchable à Manchester United? La preuve que oui, d'un point de vue sportif déjà, tu n'arrives pas à le mettre sur le banc. Pourquoi? Parce que les mecs qui sont derrière, ils sont pas assez bons quand ils ont la chance de dire bah regardez Rashford ne fait pas les efforts, etc. Nous on joue, on est très bons, il a pas sa place. Non, les mecs sont pas bons quand il y a pas Rashford. Et de manière générale, Manchester United a plus de chances de créer des occasions s'il y a Rashford que s'il n'y a pas Rashford. Et c'est là aussi où on en vient à tout ce problème. C'est que Rashford, aujourd'hui, il a un pouvoir gigantesque d'un point de vue sportif en termes de ce qu'il peut produire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le club, il est obligé de compter sur Rashford au moins les 6 prochains mois. Donc, si tu suspends ou tu mets à l'écart du groupe ce joueur-là, sachant que d'un point de vue offensif, il y a beaucoup de lacunes cette saison à Manchester United, bah tu te tires une grosse balle dans le pied. Et finalement, tu fais plus parler ton ego ou ton volonté d'être dur disciplinairement plutôt que l'intérêt du club. Donc je me dis, en réalité, le fait de le laisser dans le groupe, s'entraîner, etc., je trouve que c'est une bonne décision. En espérant aussi que Marcus Rashford présente des excuses extrêmement plates et devienne exemplaire à l'entraînement et sur le terrain en match vis-à-vis de ses coéquipiers qui apparemment sont très déçus de sa part. Mais je pense même plus qu'il soit réellement déçu parce que je pense que le mec, il doit pas faire grand-chose à l'entraînement depuis le début de saison. Et de manière générale, le week-end, franchement, il les laisse jouer à 10 contre 11 tous les week-ends. Je pense qu'ils ont déjà pas mal de griefs accumulés contre lui. Je pense que Manchester United a besoin jusqu'à la fin de saison d'avoir un Rashford impliqué, performant et surtout qui puisse faire des différences. Après, personnellement, je pense que j'aurais au moins suspendu le joueur pour le match face à Wolverhampton, sachant que tu rejoues le week-end prochain face à West Ham, genre 3 jours plus tard. La suspension d'un match, elle aurait été logique, je trouve. Maintenant, est-ce que Ten Hag va faire jouer le joueur? Je pense pas perso que Rashford, malgré le fait d'être éligible et disponible pour ce match-là officiellement, sera titulaire. Ça se trouve, il sera même peut-être même pas dans le groupe
Ça, c'est Ten Hag qui décide. He reported ill. For the rest is internal matter. I deal with it. Et d'ailleurs, certaines personnes vont dire Ten Hag finalement, il fait lui aussi la part belle à Rashford. Ten Hag lui aussi finalement, il entretient ce privilège qu'a Rashford à United. J'ai envie de vous dire non. Non, parce que quand on voit les déclarations qu'il a fait, alors depuis le début de la saison, oui, il a fait des déclarations plutôt pour protéger Rashford, mais c'est aussi parce que Ten Hag, c'est le coach et il sait très bien, genre lui il connaît la qualité de son effectif, il sait très bien que Rashford, c'est un de ses meilleurs joueurs offensifs. Donc s'il se met Rashford à dos et que derrière, il y a personne qui assure, bah les résultats, ils vont en pâtir. Et qui va devoir payer les conséquences des mauvais résultats? C'est lui. Donc lui, il a aussi sa crédibilité à jouer. J'ai envie de vous dire, c'est pas Ten Hag qui prend la décision disciplinaire. Ten Hag, lui, grosso modo, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est provoquer une réunion comme celle qu'il y a eu avec la direction à Carrington et également s'entretenir avec le joueur. Lui faire part de son mécontentement, lui dire ce qu'il attend de lui et s'expliquer entre bonhommes. Mais c'est pas Ten Hag qui actionne le bouton sanction disciplinaire. Et je vous rappelle, Manchester United, c'est une entreprise, c'est une société. Rashford, c'est un employé. Ten Hag, c'est un employé. C'est la boîte, c'est l'entreprise qui prend les décisions, qui prend les sanctions. Donc c'est pas Ten Hag en fait qui est trop soft ici. Si quelqu'un est trop soft, c'est éventuellement Manchester United. Mais ceux qui éventuellement vont dire oui, Manchester United devrait finalement le mettre à l'écart ou devrait le vendre dès maintenant, bah c'est compliqué parce qu'on sait que niveau budget c'est très serré cet hiver. Donc tu peux pas te retourner derrière pour aller chercher quelqu'un d'autre. Éventuellement les suites, on les verra peut-être l'été prochain. À voir, à faire, à suivre. En tout cas, voilà mon avis par rapport à cette histoire-là. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous avez des arguments contraires, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez des arguments pour étayer encore plus, finalement, mon point de vue, n'hésitez pas aussi à les partager en commentaire. Ça fera très plaisir. Là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très, très vite. Ciao, ciao.